chrétienne à Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète, des églises des pays dans les trois Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble, dans un même corps, dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix du calvaire. Des personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'Évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous commençons une édition de plus de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'Évangile éternel. Dont les volets de cette programmation sont produits pour vous présenter des contenus qui répondent à divers besoins de votre famille, qu'elles soient d'ordre spirituel ou pratique de tous les jours des pères et enfants. Dans le volet d'aujourd'hui, les Sons de Manaïm, vous allez regarder le pasteur Daniel Moreira et Sérgio Souza qui parlera sur un rachat spécial fait par le Seigneur Jésus juste après sa mort et résurrection. Ils vont aborder l'épisode des deux disciples dans le chemin d'Emmaüs. Dans le volet organisation et méthode, la professeure Kézia Nunes va éclairer sur l'éducation nationale et ses professionnels. La professeure Janine Zumac, dans le volet Parfaite Louange, va continuer avec la gamme de mi majeur dans l'étude pour les enfants intermédiaires et adolescents. À l'intérieur de la thématique Le pouvoir du sang de Jésus, le professeur nous parlera sur l'offrande du tabernacle. Assistez maintenant le volet Leçons de Manaïm. Ceci est le volet Leçons de Manaïm. Que Dieu bénisse à tous, dans la paix du Seigneur. Pasteur Sergio, la paix du Seigneur. Pasteur Daniel, Pasteur à tous. Ce volet présente tous les week-ends des études doctrinaires de la parole de Dieu en montrant ses aspects historiques et prophétiques. Nous remercions votre participation et votre audience. Nous avons reçu de divers messages avec des témoignages et commentaires sur la programmation en annonçant l'Évangile éternel. Et vous aussi, vous pouvez participer. Vous pouvez voir à l'écran un QR Code. Participez. Envoyez votre message, votre commentaire, votre témoignage. Le premier message que nous allons partager est venu de Rio de Janeiro, capitale, de Ronaldo Lopes Ramos, qui nous a dit « La programmation en annonçant l'Évangile éternel est d'une grande importance pour ma vie spirituelle. Gloire à Jésus. » Nilza Martins, de Cataguases, Minas Gerais, nous a écrit « À chaque étude de la promotion en annonçant l'Évangile éternel, je me sens encore plus préparé pour le retour du Seigneur Jésus. » Amen. Nous remercions la participation de tous qui nous ont envoyé leurs commentaires. Dans la programmation d'aujourd'hui, nous allons donner la continuité à la séquence doctrinaire où le Seigneur Jésus, avec des personnes, des groupes et des foules, pasteur Sergio. Et nous avons vu dans ces derniers week-ends ces rencontres marquées par diverses expériences, mais surtout l'expérience du salut.
La semaine dernière, nous avons demandé qu'on nous envoie des commentaires à propos de la rencontre du Seigneur Jésus avec les deux disciples dans le chemin d'Emmaüs. Cette rencontre est enregistrée dans l'Évangile de Luc, chapitre 24, versets 13 au 35. Nous avons reçu beaucoup de messages. Et pendant la programmation, nous allons citer quelques-uns de ces messages. La rencontre du Seigneur Jésus avec les deux disciples, décrite dans Luc 24, s'est donnée à partir d'un voyage qui a commencé à Jérusalem en direction d'un village appelé Emmaüs. Comme vous voyez ici, donc, sur la carte, de toute la région par laquelle le Seigneur Jésus a exécuté, a exercé son ministère. Nous avons déjà parlé de plusieurs rencontres qu'il a eues dans cette région. Jéricho, Sichem, Naïm, donc les provinces, ça c'est une division géographique à l'époque du Seigneur Jésus. Ici, nous allons voir déjà ensuite ce trajet, le chemin que vous avez cité, le chemin enregistré en Luc de Jérusalem à Emmaüs. Et la Bible dit, Sergio, que la distance était de 60 stades. C'est une mesure à l'époque, ce que somme à peu près 12 kilomètres. Mais il est important de souligner qu'il ne s'agissait pas simplement de 12 kilomètres. C'est une région avec beaucoup de montagnes, des montées, de descentes, très irrégulières. Donc, c'est un chemin d'un jour, comme un voyage d'un jour. La Bible dit qu'il descendait de Jérusalem à Emmaüs. Donc, géographiquement, Jérusalem était plus haute qu'Emmaüs. Et nous voyons ici des images très belles d'Emmaüs dans les jours actuels. N'est-ce pas? La rencontre du Seigneur Jésus avec les deux disciples dans le chemin d'Emmaüs est intimement liée à un fait qui est le fondement du christianisme. Ce fait est la résurrection du Seigneur Jésus. Même pourquoi, Daniel, cette rencontre s'est donnée juste après la résurrection du Seigneur Jésus. Exactement, nous allons voir, ça c'est très important, que ces deux disciples ils n'avaient pas la connaissance que Jésus avait ressuscité. La résurrection du Seigneur Jésus fait partie de son évangile, qui est l'essence de l'évangile du Seigneur Jésus, est d'apporter à l'homme un message de salut. Et dans ce message de salut se trouve la vie éternelle. Il est nécessaire expliquer clairement que notre existence est comptée pour la mort. Nous pouvons même utiliser l'expression « à chaque jour qui passe, l'homme il est en train de mourir ». Depuis sa naissance, ces jours, son temps commence à compter pour la mort. C'est vrai. Exactement comme nous avons dit, à chaque jour qui passe, l'homme il meurt. Dans le temps créé par Dieu, l'homme il a une existence dont le nom est vie. Et cette vie, elle est à l'intérieur de l'œuvre de la création. L'homme, il a la vie et la mort. Ce qui est, c'est une certitude pour toutes les personnes. Mais cette certitude de vie et mort, nous allons voir comme s'il y avait une exception. Il a eu. Pourquoi? Parce que la résurrection du Seigneur Jésus, c'est ce qui va montrer une autre vie qui existe en plus de celle-ci dans les temps, les jours comptent continuellement. Pourquoi? Parce que la résurrection du Seigneur Jésus, dont en vérité, a été le grand message, le message qui a établi, comme vous avez déjà dit, Daniel, le fondement du christianisme et l'église des premiers jours, qu'on appelle l'église primitive. Pourquoi? Parce que, avec sa résurrection, observez bien, le Seigneur Jésus, il a démontré, au lieu de passer son temps affligé avec la mort,
L'homme, il doit se préoccuper avec la vie. Mais quelle vie? Avec la vie éternelle. La vie éternelle que Jésus a apportée à travers son sang, la mort de son sacrifice à la croix, qui est exactement la vie en abondance. Cette vie en abondance, elle dépasse le temps de notre existence de la terre, parce qu'elle va, elle quitte l'œuvre de la création, elle va à l'œuvre de la rédemption. Comme il est enregistré, Sergio, en Jean chapitre 10, verset 10, « Je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. » Et cette vie, seulement Jésus peut donner, seulement Jésus. La vie en abondance, c'est de vivre cette vie et aussi l'autre qui est la vie éternelle. Donc nous pouvons expliquer deux expectatives de vie. Une qui est début et fin, c'est la vie de la terre. C'est bien de l'année telle, c'est la vie de la terre. Début et fin, c'est la vie de l'œuvre de la création. Mais le Seigneur Jésus offre une autre vie qui s'est donnée, c'est-à-dire qui a eu le début à partir du versement de son sang, à partir du sang que Jésus a versé à la croix. Il a offert, il offre aujourd'hui cette autre vie qui est la vie éternelle, le salut. Et la Bible enregistre que, en ayant le Seigneur Jésus ressuscité, au même jour, deux de ses disciples, donc le plan qu'on a vu tout à l'heure, ils ont quitté Jérusalem, la ville où Jésus a été mort et a ressuscité, et se dirigeaient vers un village appelé Emmaüs. La distance, on a déjà dit, à peu près 12 km, un jour de voyage, parce que c'était une région d'accès difficile, montagneuse, de relief irrégulier. Naturellement, ça joue que leur conversation tournait autour de la mort du Seigneur Jésus, parce qu'ils étaient des disciples, suiveurs du Seigneur Jésus. En vérité, ils étaient perplexes, pas seulement eux, mais les autres disciples aussi, tous ceux que le Seigneur Jésus a ramenés pendant son ministère. Pourquoi? Parce que la mort du Seigneur Jésus est dans une analyse rationnelle, parce que prophétiquement, c'est une autre chose. Mais rationnellement, ça ne faisait pas de sens, Daniel. Avec une prison injuste, une condamnation sans aucune preuve de délit. Au moment de l'accusation, l'autorité romaine a fait un choix aux religieux. Vous voulez épargner qui? Jésus ou le tueur Barabbas? Ils ont demandé qu'on libère Barabbas. Donc, ils étaient perplexes avec tout cela. Exactement. Il est important de souligner que le Seigneur Jésus, il a été condamné à mort par les religieux de l'époque, Sergio. Et dans ce voyage, en revenant maintenant au voyage dans le chemin d'Emmaüs, quelqu'un s'est approché de deux. Pour eux, c'était peut-être un voyageur. Quelqu'un, Luc 24, 15, ils étaient en train de parler, et ce quelqu'un était Jésus. Mais eux, ils n'ont pas reconnu, ils ne savaient pas que Jésus était vivant, qu'il avait ressuscité. Et là, Sergio, ce qui attire notre attention, observez, quelque chose d'intéressant. Mais même en ayant vécu tellement de temps avec Jésus, la Bible dit que ces deux disciples ne l'ont pas reconnu, même si Jésus était en train de leur parler et en leur demandant la raison pour laquelle ils étaient tristes. C'est quand un des deux disciples, le seul que la Bible registre son nom, Cléophas,
Il était intrigué, il a demandé au Seigneur Jésus, « Est-ce que tu es pèlerin à Jérusalem? Vous ne savez pas ce qui s'est passé? Vous ne connaissez pas les nouvelles? » Cléophas est arrivé au point de demander au propre Seigneur Jésus qu'il ne l'avait pas reconnu. Il a posé la question, comme dit la Bible, s'il était pèlerin à Jérusalem. En vérité, ils n'avaient pas reconnu, comme vous avez dit, parce que encore, ils n'avaient pas encore touché la révélation. Jésus ne s'était pas encore révélé. C'est qu'au milieu de cette conversation, ce disciple Cléophas a commencé, imagine bien Daniel, en parlant à Jésus, qui ne savait pas qui était, à propos de la mort de Jésus et de leur vie avec le Seigneur. Et Cléophas, il a commencé à parler et à citer à Jésus les faits qui ont résulté dans sa prison, sa mort, sa condamnation. Qu'est-ce que se passe plusieurs fois avec la religion? Qu'est-ce que se passe avec le christianisme? Les personnes, dans sa large majorité, pensent en Jésus avec des yeux clairs, des cheveux longs, des yeux perdus vers l'horizon. Mais le Seigneur Jésus n'était rien de ça, Sergio. Au contraire, il est pointé dans la Bible, dans le livre du prophète Ésaïe, que le Seigneur Jésus il n'avait ni beauté, ni apparence, ni beauté. Il était fait le plus indigne entre les hommes, comme quelqu'un de qui les personnes cachent le visage. Regardez, Sergio, il dit encore qu'il était un homme de douleur, expérimenté dans les travaux, et qu'après 3 ans de ministère, de voyages, de pérégrinations, des veillées de prière, des persécutions, encore plus accentué dans le dernier jour, juste avant sa prison et mort, la Bible dit que sa transpiration est devenue dans des grandes gouttes, tellement était sa souffrance. C'était la souffrance à cause du péché de l'homme, nos transgressions, Jésus a porté sur lui. Donc tout cela a été versé avec son sang, son sacrifice parfait. Le prophète dit, Sergio, en Isaïe, que par ses marches, nous sommes guéris. Par la mort de Jésus, nous avons eu accès à Dieu, à la vie éternelle, au salut. Il est mort, notre mort, pour nous donner la vie éternelle. Amen. Et de la même manière, tel comme les deux disciples connaissaient seulement un Jésus humain, il y a un christianisme qui connaît le Seigneur Jésus pour cette vie. Un christianisme de la terre qui vise ceux qui sont les intérêts de cette vie au lieu de connaître Jésus révélé qui donne la vie éternelle, qui donne le salut. Un Jésus considéré comme bon et qui satisfait les intérêts de la religion, mais ces intérêts, Sergio, sont tournés seulement pour cette vie de la terre. Mais il est fondamental, il est essentiel de comprendre que Jésus n'est pas simplement une figure religieuse. Il est une révélation de Dieu vers l'homme. La révélation qui est opérée à travers de son Esprit Saint. Maintenant, nous allons comprendre ce qu'est la révélation. À partir de ce texte qui montre que leurs yeux, c'est-à-dire les deux disciples, étaient comme que fermés. Dans la situation, Sergio, les yeux fermés, c'est un parallèle prophétique de l'homme qui parle de Jésus et de son histoire, mais ne connaissent pas Jésus révélé et Jésus qui a la vie éternelle. Même pourquoi le salut est une révélation du Seigneur Jésus vers l'homme.
Se Jesus não se revela, c'est-à-dire, se não há essa revelação donnée à travers le Saint-Esprit, l'homme, il ne touche pas le véritable salut. L'homme, il ne connaît pas qui est Jésus réellement. Et quelle est la clé, Sergio? Quel est le secret pour comprendre et toucher le mystère de la parole de Dieu et du salut? La clé, le secret est l'Esprit Saint a l'opportunité de révéler Jésus à l'homme. Et nous voyons cela, ce que nous sommes en train de voir ici, nous sommes en train d'affirmer, en plusieurs exemples des textes de la Bible. Par exemple, au troisième jour de la mort de Jésus, c'est-à-dire un peu avant de sa rencontre avec les deux disciples dans le chemin d'Emmaüs, Maria est allée au sépulcre de Jésus, ou Marie, excusez-moi, est allée au sépulcre de Jésus. Elle pleurait parce que le corps de Jésus n'était pas là. Il avait ressuscité. En ce moment, deux anges sont allés à elle et ont posé la question, « Pourquoi tu pleures ?» Et elle a répondu, on a apporté mon Seigneur. Mais Jésus, qui avait déjà ressuscité, il était à son côté, mais elle n'avait pas reconnu. Elle ne savait pas que ceux qui étaient à son côté étaient Jésus ressuscité. C'est ce que nous affirmons. Nous avons affirmé là, maintenant, Sergio. Après la résurrection de Jésus, et ça c'est très important, beaucoup de personnes n'observent pas cela. Après la résurrection de Jésus, nous allons répéter ici, on a reconnu Jésus seulement ceux à qui il s'est révélé. Maria a reconnu qu'était le Seigneur Jésus quand il s'est révélé à elle, en l'appelant par son nom. Et à propos de cela, nous avons cité le message de Laurent de Souza Almores, Minas Gerais, qui a dit, pendant que Jésus ne se révèle pas à l'homme, il y a seulement une connaissance biblique. Après que Jésus se révèle, on commence à avoir la communion. Dans la communion, le Saint-Esprit opère. C'est-à-dire, cela est très notable parce qu'en revenant à Marie, Jésus était à son côté, elle n'a pas reconnu, mais quand elle a entendu le nom Maria, elle a répondu, c'est la voix de mon Seigneur, Rabboni, qui veut dire maître. Il est nécessaire que l'homme puisse avoir une expérience. Mais quelle expérience? Une expérience personnelle avec Jésus, à travers la révélation du Saint-Esprit, que de la même manière, telle comme Marie, ça a été l'expérience de Paul, un religieux qui persécutait l'Église jusqu'au moment où le Seigneur Jésus s'est révélé à lui. En lui parlant, Paul a été encerclé par un resplendeur de lumière. Il a entendu une voix, Sergio. Cela, pour ceux qui ne connaissent pas bien l'histoire de la Bible, Paul, jusqu'à ce moment, enregistré en Actes 9, 5, Paul, jusqu'à ce moment, il persécutait l'Église au nom de sa religion. Il recevait des lettres, des autorisations pour persécuter maltraité et mettre en prison les chrétiens. Mais quand il a été encerclé de la resplendeur, il a entendu la voix, il allait demander « Qui est Seigneur? Qui est en train de me parler ?» Et là, le Seigneur Jésus s'est révélé à Paul. Et qu'est-ce qu'il a dit? « Je suis Jésus. » L'œuvre du Saint-Esprit, mes bien-aimés, a un engagement d'annoncer ce qui est prophétique. Ce qui a besoin d'être compris par tous. Parce que ça, c'est le désir de Dieu. C'est cela qu'il promet dans sa parole. Ça, c'est la mission du Saint-Esprit. Révéler Jésus au cœur de l'homme. Et si l'homme, voyez bien, si l'homme ne connaît pas Jésus révélé, Jésus prophétique, il peut voir beaucoup de choses, il peut voir la Bible, il peut voir beaucoup de connaissances, mais s'il ne touche pas, il ne touchera pas le salut. Il n'ira pas vers la vie éternelle avec Dieu. C'est le principal message de l'Évangile du Seigneur Jésus, c'est la vie éternelle. Amen. L'homme, il peut recevoir beaucoup de bénédictions de Dieu.
E Deus abençoa mesmo. E Deus bene da vontade. Ele pode guerrir. Avala prosperité dans sa vie matérielle, une bonne famille, mais s'il n'a pas l'expérience avec la vie éternelle, avec le salut, il sera seulement, comme écrit en 1 Corinthiens 15, 19, le plus misérable de tous les hommes. Même pourquoi, vous avez déjà dit, et Dieu est béni dans son infinie miséricorde de Dieu, il secourt, il bénit l'homme, beaucoup de choses. Des fois même, quelqu'un qui n'est pas chrétien en Jésus, il prie pour une famille qui est éloignée de Jésus. Le Seigneur, il secourt, il a de la miséricorde. Mais rien, ça c'est le message principal, rien a plus de valeur que le salut, la vie éternelle. Le salut, bien-aimé, est le bien majeur que l'homme peut avoir, parce que c'est pour cette vie et pour la vie éternelle. Donc, l'expérience du salut est irremplaçable. C'est pour cela que l'homme a besoin de chercher et connaître le Seigneur Jésus. Mais quel Jésus? De quel Jésus nous parlons? Jésus qui est révélé par le Saint-Esprit, qui s'est révélé à Marie, Paul aux deux disciples, aujourd'hui se révèle à nous. Comment le Seigneur Jésus s'est révélé aux deux disciples dans le chemin d'Emmaüs? En arrivant au village, en ayant déjà le jour était déjà à sa fin, le Seigneur Jésus a fait semblant d'aller plus loin. Mais ils ont demandé à Jésus de rester avec eux. Et à partir de là, a commencé l'acte de révélation du Seigneur Jésus à eux. Comme commenté par Bianca Lorenzo de Três Pontas, l'État de Minas Gerais. Elle a écrit, « Jésus ne s'est pas révélé à eux dans le chemin. » Mais après, une fois que les disciples ont dit, « Reste avec nous, car il est déjà tard. » Et quand le Seigneur Jésus allait s'éloigner d'eux, les deux disciples ont clamé, ont demandé, « Reste avec nous. » Ils ont demandé qu'il entre dans leur maison. Et sur cela, nous pouvons citer le message de Paulo Márcio do Carvalho, de Barra Mansa, État de Rio de Janeiro. Toutes les fois que nous faisons cette invitation à Jésus, quelle invitation? Le même que les disciples ont fait. Reste avec nous. Reste avec nous. Si nous faisons cette invitation avec le cœur ouvert, il entre dans nos cœurs. Maintenant, il y a une chose très importante dans cette rencontre de Jésus avec les deux. Même si dans le chemin, peut-être pendant la journée, même si dans le chemin, il n'avait pas reconnu que ce voyageur était Jésus, il y a eu un signe. Quand nous allons voir ensuite, quand Jésus s'est révélé à eux, ils ont dit qu'il est écrit ici, Luc 24, 32, est-ce que nos cœurs ne brûlaient-ils pas dans notre cœur quand par le chemin Jésus il nous parlait? Et quand les Écritures s'ouvraient, qu'est-ce que c'est cela, Daniel? Ce cœur qui arde, qui brûle. Donc, ils parlent à Jésus qui pour eux c'était un étranger. Ils ne connaissaient pas. Et Jésus commence à révéler à eux. Et leur cœur commence à brûler. Pourquoi leur cœur commence à brûler? C'est la question que vous avez faite. Parce que la parole était prophétique. Jésus a cité les prophètes. Tout ce que les prophètes ont parlé à propos de lui. Donc le salut est prophétique. Donc ils ont été conquéris par la parole révélée. Le cœur a été conquéri par la parole révélée. Ils ont fait une invitation. Reste avec nous, parce que notre cœur est joyeux. Même pourquoi la présence de Jésus, Jésus révélé, brûle le cœur de l'homme, apporte la consolation,
l'assurance. Le Seigneur Jésus s'est révélé à eux, la Bible dit, dans le partage du pain. Une prophétie que la révélation de Jésus se donne par la communion dans le corps, qui est l'Église fidèle. C'est ce qui est écrit ici dans la Bible. Quand Jésus il est entré avec eux, reste avec nous à table, en prenant le pain. Quand le Seigneur Jésus a rompu le pain, c'est la prophétie que vous avez dit, le salut, la communion dans le corps, leurs yeux se sont ouverts. Et comme a cité Giovanni Messis de Vitória Espírito Santo, ainsi comme dans le partage du pain, Jésus s'est révélé à eux, lui aussi il s'est révélé à nous, car il y a seulement le salut quand l'homme a une expérience avec le Seigneur Jésus. Et seulement la révélation peut faire l'homme avoir ses yeux ouverts, car la révélation, c'est la lumière, gloire à Dieu. La vie éternelle est celle que l'Église attend et vit pour elle. Il y a deux expectatives de vie, celle de la terre, il y a début et fin, et qui est très important. Il doit être vécu avec zèle et avec engagement. Mais il y a un autre, bien-aimé, qui s'appelle la vie éternelle, qui ne n'aura jamais fin. Et elle sera vécue dans le ciel avec le Seigneur Jésus. Et pour avoir la vie éternelle, il est nécessaire de connaître Jésus, révélé par le Saint-Esprit. Maranatha, le Seigneur Jésus vient. Gloire à Dieu. Ce volet, Leçons du Manaïm, a son contenu préparé, produit à partir de l'École Biblique Dominicale et des séminaires de l'Église chrétienne Maranatha. Notre École Biblique Dominicale se passe tous les dimanches à 10h par notre canal YouTube. Maintenant, la programmation annonçant l'Évangile éternel n'est pas finie. Continuez avec nous en assistant les volets qui vont venir dans la suite. Dans le prochain volet, nous allons parler sur la rencontre du Seigneur Jésus avec Bartimée, enregistrée en Marc, chapitre 10, 46 à 52. Et nous aimerions beaucoup de recevoir votre commentaire sur le sujet, spécialement ce qui touche des aspects prophétiques de cette rencontre. Observez, vous voyez à l'écran un QR code. Il est très simple de participer. Vous pouvez même faire un test maintenant. Sergio, est-ce que vous pouvez nous faire une démonstration? Je prenais même mon téléphone, parce qu'il y a des personnes qui encore n'ont pas cette habilité, cette connaissance. Mais comme vous avez dit, c'est très simple. Vous allez ouvrir votre téléphone et dans l'écran, quelque part, il y aura le dessin de la caméra, de l'appareil photo. Vous cliquez sur l'appareil photo et là, vous voyez, la mienne, elle a déjà localisé le QR code. Il y a quelque chose ici. J'ai cliqué. Et donc, immédiatement, il y a eu un numéro WhatsApp de la programmation où je peux envoyer des messages. Je peux envoyer ce message immédiatement où je peux sauvegarder ce contact. Et après, j'étudie, je prie, je vais examiner la parole de Dieu et j'envoie mon commentaire. Participez. Nous allons ensuite entendre une louange. Le nom de cette louange, c'est l'amour de Dieu est grand. Et c'est vrai, il est grand. L'amour de Dieu, dans l'amour de Dieu, votre vie entre. Votre famille peut entrer dans l'amour de Dieu. Dans l'amour de Dieu, toute l'humanité peut entrer. C'est pour cela que Jésus est mort. Parce que Jésus, c'est le grand amour de Dieu. Que Dieu bénisse à tous dans la paix du Seigneur. La paix du Seigneur Jésus. La paix du Seigneur. La paix du Seigneur. O amor de Deus é grande, mandou-se.
seu filho à cruz, a morrer por mim e por ti, e também para vencer. Vencer a morte, vencer a dor. Ele é Jesus, unigênito Filho, Rei, Senhor, Salvador. Te chama pra vir. Te chama pra luz, venceu a morte. Ele é Jesus, quer te salvar, vida te dar. Venha, Jesus. Preço ele pagou só por amor ao pecador. Ali na cruz Jesus morreu e depois ressuscitou. Venceu a morte, venceu a dor. Ele é Jesus, unigênito Filho, Rei, Senhor, Salvador. Te chamo. Venceu a morte, ele é Jesus, quer te salvar, vida te dar. Venha, Jesus. Glória a Jesus. Vous allez assister maintenant le volet organisation et méthode. Et dans ce volet, la professeure Kézia Nunes va éclairer sur l'éducation nationale et leur professionnel. Nous saluons à tous qui nous assistent dans la paix du Seigneur Jésus. Dans cet épisode, nous allons traiter de l'éducation nationale dont l'intention d'identifier quelles institutions professionnelles nous pouvons chercher par rapport à l'éducation de notre foyer. Et une question nous demande, quelles institutions professionnelles sont responsables pour chaque niveau d'enseignement d'éducation nationale? La loi de diretrices et bases de l'éducation nationale brésilienne de 1996 définit les attributions de chaque instance en considérant le régime de collaboration en l'union, les États, les villes et les institutions écoles.
Et au gouvernement fédéral revient la responsabilité d'organiser la politique d'éducation qui oriente le pays et les autres instances avec les directrices, lois et législations. L'organe responsable, c'est le ministère de l'Éducation. Et les institutions sont les instituts fédéraux et les universités fédérales, c'est-à-dire l'enseignement secondaire et supérieur. Et ce qui revient aux États revient à organiser les politiques d'organisation de son État basées sur les orientations de l'Union et en interaction avec les municipes, les villes. L'organe responsable, c'est le secrétariat d'éducation de l'État. La principale offre de place concerne l'enseignement moyen et fondamental. Les États aussi organisent l'enseignement infantil et aussi des facultés. Et ce qui revient aux municipes, aux villes, c'est qu'ils organisent l'éducation fondamentale. L'organe responsable, c'est le secrétariat d'éducation de la ville. Et l'éducation concerne donc l'âge infantile et fondamental. Et qu'est-ce qui revient aux écoles, organiser les plans d'enseignement en articulation avec les familles et voir les besoins d'apprentissage des étudiants. Vous n'avez pas réussi à matriculer, à inscrire votre enfant dans l'école, cherchez le secrétariat d'éducation de votre ville pour vous aider. Vous n'avez pas réussi à conclure l'enseignement fondamental ou votre enfant qui est jeune s'est arrêté, recherchez une école proche de votre résidence qui puisse offrir une éducation pour les jeunes et les adultes, afin qu'ils puissent continuer à étudier. Vos enfants ont fini l'enseignement moyen, soyez attentifs au calendrier des examens du gouvernement fédéral et des examens d'entrée de quelques universités, des instituts fédéraux qui ont d'enseignement supérieur. Vous avez conclu un enseignement supérieur, vous êtes insatisfait, cherchez un cursus de spécialisation dans le site de programme de troisième niveau dans les universités, afin que vous puissiez changer de domaine. L'important est d'évaluer ce que nous avons fait et qu'est-ce que nous pouvons faire différemment. Parce qu'étudier, c'est un investissement lié avec nos besoins. Aucune profession est simple. Tout exige de l'étude, de l'application. Ceux qui ne restent, n'étudient pas, ne s'appliquent pas, cela devient plus difficile. Dans le livre de Proverbes, l'océan nous oriente. Donc, recherche la sagesse, l'intelligence, et n'oublie pas et ne t'éloigne pas des paroles de ma bouche. Rechercher la sagesse, c'est un don de Dieu pour celui qui cherche sa direction. Ayez l'intelligence et n'oubliez pas et ne vous éloignez pas des paroles de ma bouche. La parole du Seigneur est le salut. Nous allons chercher en famille, donner de la valeur dans la formation académique professionnelle, en ayant la direction sûre du Seigneur pour vivre ses promesses. Un épisode complémentaire sur cette thématique avec des témoignages de frères de notre Église sera disponibilisé dans le canal YouTube dans l'Église chrétienne Maranatha, dans la playlist Organisation et Méthode. Vous aussi, vous pouvez contribuer avec ce travail en nous envoyant un message vers l'email contato@radiomanaim.com.br. Que le Seigneur nous bénisse grandement. La paix du Seigneur Jésus. Dans l'étude précédente, le professeur Janaïn a enseigné la séquence de la gamme de mi majeur. Aujourd'hui, elle va approfondir cet enseignement afin que vous puissiez voir l'application pratique de cette gamme. Donc, prenez votre instrument, nous allons apprendre. La paix du Seigneur Jésus à tous et spécialement à nos enfants bien-aimés, intermédiaires et adolescents. Vous savez que maintenant, à la fin du mois, à la semaine prochaine, ce volet Parfait Louange, qui est un cadeau du Seigneur, va compléter un an
Quelle bénédiction merveilleuse, n'est-ce pas? Gloire à Jésus. Nous sommes en train de préparer une édition spéciale et vous ne pouvez pas rater. Amen. Nous allons maintenant à nos participations. Nicole Matos, elle a 7 ans, de Vitória, Espírito Santo. Pedro Emanuel de Souza, de Betim, Minas Gerais. Les frères Pedro e Gustavo de Onápolis, Bahia. David Mota, de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Les frères Natália, de 9 ans, e le petit Hector, de 2 ans, de São José dos Campos, São Paulo. Voici Carol, de 4 ans, que aime bem louer o Senhor, de Fortaleza, Ceará. Voici Marcos Benjamin, de Ibiá, Minas Gerais. Sofia Gonçalves, a 5 ans, pela Igreja do Leme, Rio de Janeiro. Louez, soit le Seigneur Jésus. Dans l'étude précédente, je vous ai enseigné la gamme de Mi majeur. 4 dièses dans l'armature de clé. Regardez comme vous êtes très habile. Et nous avons appris cette gamme pour commencer une nouvelle louange qui sera dans cette tonalité. Nous allons nous rappeler donc la gamme. Donc, le pouce dans la note Mi, nous ne pouvons pas oublier le passage. Continuez à vous entraîner beaucoup. Hein? Et votre instrument, il est déjà proche? Sinon, courez pour le prendre, parce que maintenant nous allons nous rappeler la louange Géonolampa avec les classes de l'église de Foz do Iguaçu, Paraná, qui sont en train, avec leur groupe d'accessibilité, qui chantent libre, gloire à Dieu. Nous allons voir. Donc, on vous salue chaleureusement et à tous la paix du Seigneur Jésus.
Quand Dieu établit le culte à l'Ancien Testament, il a montré la construction du tabernacle. Il a défini aussi l'élément central du culte qui était l'agneau. Dans la série sur la thématique « Prière par le sang de Jésus », le professeur Carla Figueiredo va nous parler sur l'offrande du tabernacle. Nous saluons à tous les enfants, intermédiaires, adolescents et ceux qui nous assistent dans la paix du Seigneur Jésus. Notre étude a comme thématique le pouvoir du sang de Jésus. Et dans cette étude, nous allons voir sur l'offrande du tabernacle. J'invite que tous puissent lire avec moi le verset projeté ici à l'écran. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai parmi eux, selon tout ce que j'ai été mon modèle du tabernacle et comme modèle de tous ces vases, ainsi même tu le feras. Exode chapitre 25, versets 8 et 9. La parole de Dieu nous dit que le peuple d'Israël est resté pendant une longue période comme esclave en Égypte. Mais Dieu entend la prière de son peuple, il lève Moïse pour l'enlever d'Égypte et les ramener à Canaan, la terre promise. Et Dieu appelle Moïse dans le mont Sinaï pour donner toutes les orientations qu'il avait besoin pour conduire ce peuple. Et Dieu révèle quelque chose de très important. La construction d'un sanctuaire, le tabernacle. Et Dieu a choisi le tabernacle pour faire habitation au milieu de son peuple. Et ainsi, toutes les fois que le tabernacle était monté, l'orientation était que les tribus allaient monter leur tente autour du tabernacle et quand ils allaient regarder devant, ils allaient voir le tabernacle, ils allaient se rappeler « Dieu habite parmi son peuple ». Et ce tabernacle était une grande tente, il était encerclé par un jeu de rideaux de lin, il y avait une porte. Cette porte était d'accès facile. Même les enfants, les plus âgés, tous pouvaient entrer par cette porte. Et cela nous rappelle la figure de Jésus, parce que Jésus est la porte. Lui-même, il a dit, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il se sauvera. » Quelle merveille! Donc, le salut est avoir l'accès facile, c'est d'être présent. Elle est prête afin que chacun de nous recevoir cette bénédiction quand nous acceptons Jésus comme notre sauveur. Et la porte, après la porte, il y avait l'autel des holocaustes. Cet autel était construit en bois d'acacia. C'était facile d'être travaillé. Cela nous rappelle aussi Jésus que même malgré sa gloire, son resplendeur, il est venu au monde comme un homme. Il donne sa vie à la croix de Calvaire pour nous montrer un si grand salut. L'agneau parfait, c'était le sacrifice par amour à nos vies. Mais cet autel était revêtu de bronze. Le bronze, c'est un métal fort qui nous rappelle de Jésus. Parce que Jésus, le prophète Isaïe nous a parlé de ça. Il est merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père de l'éternité, Prince de paix. Ça, c'est notre Jésus. Et ainsi, toutes les fois qu'on entre par cette porte, on devrait aller à l'autel. Même aujourd'hui, nous faisons cela. Nous avons entré un jour par la porte qui est Jésus, et tous les jours, nous mettons notre vie devant l'autel, parce que nous prions par le sang de Jésus, pour la purification de nos vies, pour pardon et délivrance. Nous faisons cela au début de nos cultes. Toutes les fois où nous allons prier, cultuer le Seigneur, nous nous mettons à genoux, nous prions pour ce sang et nous supplions le pardon. Quelle merveille! Nous allons donner de la valeur à cette richesse de notre vie, qui est le sang de Jésus. Parce que toutes les fois, Dieu travaille dans nos cœurs. Le sang de Jésus nous purifie, nous pardonne et nous avons la communion. Et ainsi, le Saint-Esprit a toute la liberté de travailler en nous et nous montrer toutes les choses. Que cette parole soit une bénédiction pour nos vies, à toutes, la paix du Seigneur.
Maintenant, je veux vous parler à vous qui avez été touché par le message transmis à travers cette programmation et a besoin d'un temps de la voix du Seigneur. Nous avons un canal direct pour vous répondre. Appelez gratuitement n'importe quelle heure de la journée ou du soir pour ce numéro 0800-707-376. Ce numéro est exclusif pour répondre au Brésil à ceux qui ne sont pas encore membres de l'Église de Maranatha et qui ont besoin d'une assistance. Suivez-nous dans les réseaux sociaux et accédez au site de l'Église chrétienne Maranatha et de la Radio Manaim. Téléchargez les applications gratuites, naviguer, connaissez davantage sur nous et nos plateformes numériques. Accompagnez notre agenda hebdomadaire qui est publié tous les lundis dans nos réseaux sociaux, dans l'application de la Radio Manaim. Vous pouvez encore entendre de longe 24 heures par jour, assister et partager les podcasts de messages. Ainsi, nous arrivons à la fin de cette édition du programme en annonçant l'Évangile éternel. Et je vous invite tous les dimanches à 10h du matin au Brésil à assister au canal YouTube de l'Église chrétienne Maranatha, l'école biblique dominicale. Et dans la semaine prochaine, si le Seigneur nous permet, nous serons ensemble encore une fois à cette heure-ci pour une édition de plus de la programmation de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'Évangile éternel. Maranatha, le Seigneur Jésus vient.